très, un beau cadeau de Noël. J'espère que la famille sera heureuse et qu'elle passera de bonnes fêtes. Les charpentiers vont pouvoir se mettre au travail. C'est alors qu'un traîneau d'un nouveau genre, conduit par un drôle de Père Noël, fait son entrée sur le chantier. Hey, les amis, c'est le Père Noël ! C'est le moment de fête. Joyeux Noël ! C'est celui qui a le plus gros des cadeaux. Il est derrière, il est livré la matière en première. Pour couler la dalle. Pour couler la dalle. Merci. Ça fait plaisir. Et le soir même, les plombiers installent le chauffage au sol, un long tuyau qui va serpenter dans toutes les pièces de la maison. Il ne reste plus qu'à couvrir le chauffage d'une chape de béton pour que la famille passe les fêtes de Noël au chaud. Et ce n'est pas fini. Eh hey, monsieur Lorca, c'est un cadeau extraordinaire. Ah, le papa Noël. Une pompe à chaleur, c'est l'avenir, il paraît, ça fait des économies. Eh oui. Patrick vient après sa journée de travail pour offrir une pompe à chaleur. Un formidable don d'une valeur de 13 600 euros. Ça se met en extérieur, c'est une énergie renouvelable, c'est écologique. Mais bon, ce qui est surtout important, c'est que bon, la facture d'électricité sera divisée par 3. Plus de cadeaux en bas de la haute. Donc vraiment, c'est super. Merci monsieur Lorca. Allez les garçons. Nous rapportons une pompe à chaleur qui vient du Nord, un petit peu comme le papa Noël, et qui chauffera cette famille tout cet hiver, bien au chaud, à côté du sapin. Pour offrir à la famille sa nouvelle maison avant Noël. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Allez.